Eh bien, salut à tous, c'est Elkat, et aujourd'hui on se trouve avec Wikebein Kikyuden. C'est un nom un petit peu bizarre, mais c'est un jeu en flash sur Newgrounds. Et même si là on se retrouve avec la version téléchargeable, quoi, voilà, tout simplement en UXE, avec Adobe Flash, parce qu'il a fait le choix de pouvoir faire en sorte qu'on le télécharge. Mais attention, les sauvegardes ne sont pas partagées, c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver là. C'est-à-dire que là, je vous remontre une sauvegarde du début, de zéro, parce que il ne prend pas les sauvegardes qui sont faites sur lecteur web, enfin le navigateur web, il les retrouve pas ici en fait. Donc voilà. Et c'est tant mieux parce que, en fait, quand vous finissez un lieu, il y a un espèce de brouillard vert ou violet, et en fait, il y a plus rien à y faire quoi dans les maps. C'est une succession de donjons. C'est un mélange de plusieurs genres. Vous avez vu le design, c'est Ragnarok Online, hein, il l'a repris. Il y a pas mal de clins d'œil par rapport à ça. Ça, voilà, ça c'est la seule ville du jeu. Il y a une dizaine de niveaux. On doit abattre 6 boss pour rétablir le... Parce que c'est des monstres, hein, ils envahissent le monde. Et en fait, on va être chargé, on sait pas trop qui on est. Le scénario est réduit à sa plus simple expression. Et non pas un expresso, voilà. C'est de l'aveu du développeur lui-même. Hein. De toute façon, il dit que le but du jeu, c'est avant tout le gameplay. Hein. Et c'est vraiment pas mal, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est des jeux en flash, comme vous pouvez le constater. J'y joue pas. Je vais plus sur Newgrounds, plus autant qu'avant. Mais j'y revais quand même de temps en temps. Et quand j'y retourne, eh ben, j'arrive quand même à trouver des perles hein, entre temps. Et celui-là m'a bien plu, je dois bien vous l'avouer. Donc c'est un mélange de quoi? Moi, les deux grosses références que j'ai vues, bien évidemment, bah, c'est Ragnarok Online et Castlevania, voilà, parce que c'est un jeu où ça rappelle un petit peu les Castlevania, genre Symphony of the Night. On a une jauge de level up, hein, vous voyez, en haut à droite de l'écran, là je suis à 0% de mon... pour passer au cinquième niveau, plus je bats des monstres et plus je gagne des points d'expérience, et après je vais dans les menus, vous voyez, différentes armes, des armes secondaires, voilà, couteau de lancer, la hache, la croix, le boomerang, il y en a plein, hein, la torche, c'est le cocktail molotov, il faut bien faire attention aux faiblesses des boss, hein, je suppose, un boss de glace sera vulnérable au feu, je suppose, donc voilà, faut changer en fonction des ennemis, en fonction de vos préférences aussi, vous voyez, de base, ils avaient cette armure là, plus 100 en défense, et il y a celle-là qui est mieux. Mais ça nécessite d'avoir 3 en force. Là, on va dans l'onglet skill. Il y a des pièces d'équipement qui servent pas que à augmenter vos stats. Hein. Il y en a un qui vous permet de voler. Et oui, c'est le Two-Hat. Voilà. Et autre référence, de toute façon, il y en a pas mal dans ce jeu. Et aussi Megaman, hein, pour le fait de rebondir sur les murs. Et quand on voit les crédits de fin, on s'aperçoit qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Voilà, moi, je les avais pas toutes... compris, bien sûr. Donc vous voyez des stats, hein, vous avez des stats de base, au début vous commencez niveau 1, vous pouvez pas créer votre perso, hein, il aura une apparence de base, le nom, tout ça, c'est fixe, mais vous pouvez paramétrer ces stats de base parmi ces 3-là, l'intelligence pour être plus magicien, vous voyez, être plus efficace au niveau des sorts, il y a des armes dont la puissance dépend de la dextérité, donc c'est la plupart des armes secondaires en fait, mais il y en a d'autres, c'est l'intelligence. Elles seront plus puissantes si vous avez une intelligence élevée. Et ça vous permet aussi, vous voyez, à gauche, là, de pouvoir choisir certaines compétences. Plus vous avez... Celle-là, je ne peux l'avoir que si j'ai 6 en intelligence et 6 en dextérité, vous voyez. Et là, j'ai ni l'un ni l'autre. Hein. 3 en dex et 1 en int. Et j'ai surtout mis de la force, bien sûr. On peut augmenter Ah, je peux le mettre, là. Bah ouais, c'est bizarre. Je peux mettre un point dans les stats, enfin dans les skills, mais pas dans les stats, c'est bizarre. Alors qu'est-ce que je vais me prendre? Là, la cinquième combo. Voilà, celui-là, là. Allez hop. Là, ça va m'ajouter un combo, vous voyez. De base, on ne peut faire que les 3 premiers coups, mais là, ça nous ajoute le dernier, là, vous voyez. Attention, qui vous laisse vulnérable pendant quelques secondes, ce truc-là. Pendant quelques temps. Y en a un qui permet de faire un coup, qui permet de retomber, c'est celui-là, là. Voilà, celui-là, il est assez puissant quand même, mais pareil, il vous laisse à terre quelques secondes. Ça se permet d'augmenter les points de vie, ça se permet d'augmenter les points de SP qui sont utiles pour balancer vos armes secondaires, essentiellement. Et celui-là, ça vous donne des SP quand vous faites toucher. Celui-là, ça augmente le taux de loot. Oui, parce qu'il y a un côté loot, hein, évidemment. Même les boss ne donnent pas toujours leurs objets, j'ai eu l'impression. Enfin, c'est bizarre,
Je sais pas si on peut les réaffronter. Donc là, un blacksmith. On peut acheter des armes, vous voyez, avec notre monnaie qui est ici, là, un Venturi 30, vous voyez. Donc là, je peux même pas acheter la main gauche, alors que j'ai pu le faire à ma première partie. Pour acheter les laser boots. Ça s'étoffera au fur et à mesure, hein, les objets qu'il peut vendre, bien sûr. Et là, il y a un magasin de potions. Voilà, c'est guère les seules choses qu'on peut faire dans cette ville. Hein. Et je peux rien prendre. Là aussi, c'est pareil, il y en aura beaucoup d'autres, hein, des potions. Une qui vous rend temporairement invincible, hein, qui vous donne un effet régène. Et ça, c'est le seul save point de tout le jeu. Voilà, faut revenir ici, hein, quand on veut sauvegarder notre progression. Sinon, il y a des checkpoints. C'est d'autres statues qui vous soignent, tant mieux. Donc là, on est déjà parti pour le premier donjon du jeu, vous voyez. Bah, comme vous pouvez le constater, vous avez compris le but du jeu. On avance, on frappe. On essaye de tuer tous les boss. Attention, j'ai déjà perdu 2000 points de vie avec ces conneries. Donc ça, vous voyez, c'est totalement des ennemis genre Ragnarok Online. Hein. Ça, c'est les orbes vertes pour nous soigner. Ils chargent des... Ouais, bien, l'axe. Donc là, je pourrais changer, hein, vous voyez, marqué New en haut. Voilà, ça se change ici, hein, Pour l'instant, regardez, j'ai ça, toucheron. Hop, voilà, je balance des couteaux. Et si je me prends la hache, magie... Elles sont toutes très différentes les unes des autres, hein, bien sûr. Et ça fait totalement penser à Castlevania, je vous avais pas menti. Voilà, des pourrings, excellent. Est-ce que je peux faire mon attaque de ouf? Voilà, bien joué. Voilà, si j'avais pas pris le skill de tout à l'heure, eh ben j'aurais pas pu le faire, là, ça, là. Oula. Alors attention à eux, il faut les avoir de loin. Voilà, sinon ça fait une déflagration. Si je m'étais pris ça, ça m'aurait fait des dégâts non négligeables, hein, donc voilà. Je peux même varier les combos, mais comment ça se fait qu'il y ait déjà des triples squelettes, là? Est-ce que c'est normal, ça, qu'il y ait déjà un squelette? C'est pas la première fois que je remarque ça. Vous voyez, des fois, ils chargent leurs actions. Regardez ça, là. Et voilà. Prends sa saloperie. C'est le nom de l'attaque. ouais, les wall jump, hein, vous voyez, c'est très important. Hop, voilà, vous voyez, là, j'ai mixé les deux, là. Alors, je fais une attaque vers le haut, et ensuite vers le bas, et voilà. Donc ça, c'est... toujours bien faire attention à comment vous voulez jouer votre personnage. Et prendre vos jambes à vos coups. Voilà, les chauves-souris vertes, c'est qu'elles peuvent vous empoisonner. Il y a un double saut, hein, mais ça, c'est pas avec les skills, c'est en battant à certains boss. Tiens, je sais pas si je l'ai eu, là. Donc là, ah, bien joué. Attends, j'y suis allé à l'aveugle, entre guillemets. Tiens. Ouais, donc vraiment, c'est vraiment un jeu qui nécessite des bons réflexes, hein, et qui nécessite de savoir bien jouer, entre guillemets, et qui regorge de secrets, hein, vous voyez, comme là, voilà, là je peux changer d'arme, splendide, l'écran est en pause. Ouais, mais la main gauche est mieux que ça. Battez-vous mieux que ça, Sa Majesté nous regarde, voilà ça les gélopies. C'est comme dans Ragnarok Online, hein, de toute façon c'est les mêmes animations quand on level up, on le verra si on a de la chance, voilà, des coffres parfois et des mimiques, voilà, Butterfly Wing, qui nous téléporte dans la ville directement, je l'ai jamais utilisé, voilà ça les checkpoints. Ça permet essentiellement de modifier les contrôles et sortir en catastrophe, vous voyez, si je me fais tuer là par exemple, je repartirai de là. Mais si j'ai ramassé des objets et level up entre temps, je les garderai, voilà, ce sera pas un rollback, vous voyez. Là, je pense qu'on devrait level up niveau 5. C'est quoi, ça, le deuxième boss? Non, me dis pas... Ah, là, c'est le griffon. Bon, ça fait pas partie des 6 boss qu'on doit tuer, hein, les 6 minions, entre guillemets. Donc voilà. Oula! Je vais peut-être essayer de jouer comme il se doit. Prends ça. Ah ouais, ça jauge de vie du boss, hein, en bas de l'écran. Au début, c'est assez simple, évidemment. Celui égyptien est vraiment chiant, quand même. En sachant qu'il y a un boss caché. Après avoir fini le jeu. Il y a un nouvel endroit qui se... Ça rappelle, oui, vous avez reconnu. Hein. Dans Mega Man X, le faucon, là. Prends ça. Le Eagle. Ah non, c'est pas possible. Ah merde, il est venu d'en bas. J'essaie de l'avoir, hein, quand même. Mais il fait chier à faire cette attaque de merde, là. Storm Eagle, voilà, c'était ça. Et ouais, donc voilà, vous avez compris le jeu. C'est un jeu genre Castlevania avec un petit peu de mélange d'autres genres, les wall jump, tout ça, la Megaman.
Même la glissade hein, que j'ai pas pour l'instant, celle-là on peut l'acheter. J'ai quand même envie de me prendre une potion parce que là j'ai plus qu'à 700, toujours bien surveiller notre... Ah ben j'en ai pas. Voilà, bien joué. Et le fait de remettre d'annuler le menu pause, ça m'a fait me toucher et je suis dead, voilà. Voilà, et ça m'était pas arrivé lors de ma... Ouais, là c'est pas trop contraignant, mais des fois c'est la difficulté est quand même présente. C'est assez court, hein, ça se finit en une journée, si vous y allez non-stop. C'est quand même assez... N'ayez pas peur d'utiliser votre fric, hein, parce que je peux peut-être vous montrer, je sais pas si on peut le faire en... Escape from Monkey Island, ouais voilà, nickel. Les potions, vous ne pouvez emporter que 3 hein, de chaque, c'est pas beaucoup. 3 rouges, 3 jaunes qui vous donnent 4000, 3 blanches qui vous donnent 10000. Ils disent full health, mais c'est pas vraiment 100% des PV. Donc n'hésitez pas à utiliser votre fric, hein, sérieux, c'est fait pour ça. Et voilà, vous voyez, je suis full, j'en ai acheté 3 et... une régène potion, donc là ça va aller mieux, vous voyez, pour le boss. C'est peut-être pas la peine de vous laisser là maintenant, non? Je sais pas si... C'est dommage, j'aurais vraiment aimé vous montrer ma partie. Mais... Est-ce qu'il y a le brouillard vert, là? Ouais, non, pas vraiment. Quand on finit un lieu, il y a vraiment plus rien à y faire, quoi, ou presque. C'est pour ça que j'ai préféré vous montrer ça. Et en plus, ça rame. Voilà, lui, là, vous voyez? Il tire 3 boules. Ça, c'est un Tanegashima, entre guillemets, un zombie... au fusil, mais amélioré. Je me rappelais plus qu'il y en avait de base. Dès le début, ça qui m'a étonné. Ouais, donc voilà, c'est vraiment sympa. Hein. Moi, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Et pas mal de choses à y faire pour avoir les 100% et tout. C'est vraiment... voilà, nickel, level up. Ça va aller beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, ça vous régénère pas hein, quand vous level up. Des fois, oui, mais bon. Y a un combo en l'air, il y a les glissades, comme je vous l'avais dit, il y a un équipement qui vous donne pas trop de défense, mais qui vous fait marcher plus vite. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Ceux-là, je les ai pas pris dans ma partie. Allez, un petit peu plus de points de vie. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc, vous voyez, c'est moi j'aime bien, hein, franchement, j'ai vraiment... Ça m'a fait passer quand même pas mal de bonnes minutes. Oh, je le connaissais pas, celui-là! Truc de fou. Vous voyez, il y a un côté loot, hein, comme je vous l'avais dit, c'est... Vous avez une chance aléatoire que ça loot certains objets. Je l'avais pas eu dans ma première partie, celle-là. Can be charged. Et c'est basé sur l'intelligence, comme je vous l'avais dit, celui-là. Voilà, donc je pourrais me le mettre. On va se le mettre bien profond. Ouais, le double saut, on l'a quand même assez tard, hein, quand même. Ouais, donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Moi, j'ai bien apprécié ce jeu. Hein. Il m'a fait vraiment passer pas mal de minutes assez... Assez plaisante, le gameplay est bon, et mais dommage que c'est... Vous voyez, là, j'ai pas besoin de ramasser ce truc-là, je l'ai fait tout à l'heure. Il est assez court, quand même, hein, le premier niveau, on est déjà au boss, là. Allez, on réessaye, quand même. Et mais c'est vrai qu'il est quand même relativement court. C'est pas... Après, on peut toujours essayer de le refaire en mode magicien, hein, alors qu'on a essayé, on a été en mode... En mode force, la première fois. Alors, où est-ce qu'il va réapparaître, là? Oh, nickel, ça le fait stopper, c'est vrai, j'avais oublié. Quand on le touche, je peux voir. En bas et en haut à gauche, c'est ça? Ouais, excellent. Ah, c'est le premier... Enfin, ouais. Deuxième boss, hein, parce que le premier, c'en est un autre. C'est un espèce de golem. Le premier niveau, là, qu'on a vu au début. Yeah. Putain, mais... Oula, il est plus rapide, là. Ah, il l'a fait que 2 fois, évidemment. Je sais pas s'il l'a touché 2 fois. Là. Oh, nickel, je l'enchaîne bien, là. Regardez-moi ça. En haut à droite. Non, de l'autre côté. Je l'ai touché, mais quand il était en bas. Il est bien résistant, quand même, ce boss de merde. Mais là, je suis beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Vous voyez, je suis à 7000 sur 8000. Alors que tout à l'heure, mes points de vie, ça a filé, mais j'ai pas compris pourquoi. Mais putain, il l'a fait 4 fois, là. Mais c'est quoi, ça? Allez. Il le fait à l'infini, j'ai l'impression. Ouais, fait chier, ça. Ça nous repousse, hein, je crois. Eh ben voilà, il est dead. On l'aura pas vu. Yes, excellent. Feather Jogger, voilà, c'est ça qui permet que je voulais vous parler tout à l'heure. Ça donne pas beaucoup de... C'est les grèves de fer, hein, qui... On va faire la grève, voilà. Qui vous donne le plus de défense
Celle-là n'en donne quasiment pas, je suppose, mais ça vous permet de vous déplacer plus vite, voilà, c'est important, parce qu'il y a des... Il y a des pièges, hein, aussi, dans ce jeu. Et la fameuse séquence de l'ascenseur, hein, comme d'habitude. Qui vous permet de vous déplacer plus vite, celle-là, là, regardez. Et voilà. Bon, mais moi, je pense que je vais vous laisser là, hein, j'avais pas grand-chose d'autre à vous dire sur... On débloque les lieux au fur et à mesure, hein, vous voyez, des fois, on a le choix entre deux endroits différents. Pas oublier de retourner à la ville, hein, à chaque fois, pour sauvegarder et faire nos emplettes. Non, j'ai bien apprécié, hein, ce jeu, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il est... Il paye pas de mine, hein, il est pas ultime, mais... Mais voilà, je voulais arriver là. Mais voilà, il fait le taf, comme dirait mon ami 8300. Bon, mais voilà, c'était LK, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao, les amis.